Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Nous allons amorcer notre rencontre avec cette nouvelle concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui a déclaré hier que le rapport de l'Organisation des Nations Unies sur le développement humain en Égypte revêtait une importance particulière. Ce rapport étant publié par des spécialistes et des experts travaillant pour des instances internationales. Les déclarations du président Assisi sont intervenues au cours du lancement du rapport de l'ONU sur le développement humain en Égypte pour l'année 2021, intitulé ou baptisé « Le développement pour tous ». Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté hier à la séance au débat examinant le rapport sur le développement humain RDH 2021 des Nations Unies en Égypte. Le président avait d'abord reçu ce rapport lors d'une cérémonie organisée à l'occasion de son lancement à la nouvelle capitale administrative en présence de nombre de personnalités et de représentants d'organisations internationales de développement en Égypte. Le RDH montre les efforts de développement global et profond entrepris par l'État et touchant à tous les aspects de la vie en Égypte, de même qu'il aborde avec détail des démarches et réalisations accomplies ces dernières années. On remit le rapport au président Assisi, la ministre du Plan et du Développement économique, Dr Hala Saïd, et la représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD, Randa Aboul Hassan. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, le rapport reflète les efforts de développement global dans tous les domaines de vie en Égypte, en plus de l'explication des bilans détaillés de ces efforts et des réalisations menées ces dernières années, ce qui prouve la minutie des indicateurs émis par des institutions internationales spécialisées concernant le processus de développement en Égypte. Intervenant à cette occasion, le président Assisi a déclaré que le rapport des Nations Unies sur le développement humain en Égypte pour 2021 est un témoignage au peuple égyptien et pas seulement à l'État, et il est le parcours du processus de développement durable en Égypte. Le président Assisi a confirmé que l'État avait adopté deux démarches parallèles au cours de la dernière période, à savoir lutter contre le terrorisme et agir pour construire l'État dans une perspective globale ciblant tous les secteurs. Le peuple égyptien est le véritable héros, a dit le président Assisi, soulignant que notre guerre contre le terrorisme était également basée sur la construction et le développement, notant que l'Égypte avait traversé de nombreux défis au cours des dernières années, y compris le terrorisme. Le chef de l'État a ajouté que le peuple égyptien a supporté nombre des conséquences en raison des réformes économiques mises en œuvre par l'État, félicitant les Égyptiens pour leur capacité, leur sacrifice et leur patience, afin que le rapport soit publié de cette manière. Nous sommes déterminés à achever le projet Vie décente dans les trois prochaines années, avec un coût estimé à 700 milliards de livres égyptiennes, pour améliorer la vie de 58 millions de citoyens égyptiens, a assuré le président, faisant état de l'acheminement des services à 4500 villages. Le chef de l'État a remercié l'équipe ayant participé à l'élaboration du rapport des Nations Unies sur le développement humain en Égypte. Il a fait savoir que 5 millions de réfugiés vivaient en Égypte en tant que citoyens et hôtes et qu'ils ne vivaient dans des camps de réfugiés. Dès son arrivée, le président Assisi a pris une photo souvenir avec les participants à la cérémonie de lancement du rapport de l'ONU sur le développement humain en Égypte en 2021. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique de la part du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Les deux présidents ont discuté de divers domaines de coopération et de coordination entre les deux pays. Ils ont également discuté des dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Le président congolais a pour sa part exprimé son souhait à développer des relations étroites et positives avec l'Égypte. Il a également affirmé la volonté de son pays à renforcer les échanges commerciaux et les relations économiques avec l'Égypte.
Par ailleurs, le président Abdel Fattah al-Sissi a envoyé un message de condoléances au Premier ministre britannique Boris Johnson, dans lequel il a exprimé ses sincères condoléances et sa sincère sympathie pour le décès de sa mère, priant Dieu Tout-Puissant de la bénir, de sa miséricorde et de son pardon, et d'inspirer à la famille et tous les proches patience, selon les déclarations du porte-parole officiel de la présidence de la République, l'ambassadeur Bassem Radi. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a inauguré ce matin la 6e édition du forum baptisé Constructeurs d'Égypte. Des représentants de 25 pays africains et arabes ainsi que plus de 300 participants représentant les grands secteurs des affaires et du financement ainsi que des interlocuteurs éminents des organisations régionales et internationales prennent part à ce forum. Dans son allocution, le chef du gouvernement a affirmé que le secteur du transport témoigne d'un grand développement, notamment dans le système ferroviaire, malgré les défis et les obstacles actuels. Il a souligné qu'un nombre de projets sont en cours d'exécution, comme le train électrique et le monorail. Dr Madbouli a également évoqué l'expérience exceptionnelle en cours dans le secteur du logement en Égypte, soulignant que l'Égypte accordait un grand intérêt au développement de l'urbanisme et des villes. Le Premier ministre a par ailleurs mis l'accent sur l'initiative présidentielle baptisée Vie décente, une icône des efforts de l'Égypte dans le programme de développement durable. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Raouf Ghaffar, expert en économie. Dr Raouf Ghaffar, bonjour et bienvenue avec nous. Merci, bonjour. Docteur Raouf Ghaffar, aujourd'hui, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a inauguré la 6e édition de la conférence baptisée Constructeurs d'Égypte, regroupant des ministres concernés et regroupant des acteurs de ce domaine venant d'Afrique. Les acteurs qui sont évidemment outre les Égyptiens et venant des quatre coins du monde avec 300 participants. Quel est l'intérêt de regrouper tous ces acteurs de cette même industrie? Quelle est la vision égyptienne? À quoi aspire l'Égypte? L'Égypte aspire à entrer dans le marché particulièrement africain. Nous avons vu la quantité de construction qui a eu lieu en Égypte durant les dernières années. Comme vous l'avez mentionné, on parle de réseaux routiers, on parle de chemin de fer, on parle de logements, on parle de tellement de choses dans tous les domaines pratiquement. Maintenant, il est temps d'exporter notre expérience, notre ingénierie aux pays de voisinage et aux pays africains. Ce qui va être une situation qui va bénéficier les deux côtés. D'une part, les pays africains vont... D'ailleurs, il y a déjà des entreprises égyptiennes qui exécutent des projets, des méga-projets dans beaucoup de pays africains, mais il est temps d'augmenter ça sous forme d'exportation d'ingénierie, sous forme de coopération, etc., etc. Mais il y a tellement de ressources en Afrique, il y a tellement de besoins pour construction, pour établir des projets de développement, surtout développement durable, qui ont besoin d'infrastructures et de méga-projets. Et c'est là où l'Égypte peut justement présenter son expérience dans ce domaine. C'est pour ça que, vous avez dit, c'est la 6e édition, donc il y a eu des éditions qui ont précédé, et ça va justement dans le contexte d'augmenter les relations entre les pays africains sur le plan construction, développement, etc. Mmh. Parmi la vision égyptienne ou dans le cadre de la vision égyptienne, il s'agit de mobilité. On parle de deux communautés, de deux agglomérations, l'agglomération urbaine et la communauté rurale. Et on parle de l'exode rural vers les cités et le fait de créer des cités complètes.
tout en indiquant que la différence entre les deux ne réside pas dans les bâtiments et les pierres, mais plutôt dans le comportement rural et le comportement urbain. Comment voyez-vous ces deux visions? Ça, c'est tout le monde moderne, le monde développé, etc., s'est dirigé déjà vers ça. Décentralisation. Et c'est plus le temps de méga-villes qui ont tout et puis les autres n'ont rien. Il est temps d'établir, comme vous l'avez dit, des communautés, des nouvelles villes qui ont tout ce qu'il faut pour vivre. Donc ça, c'est une chose qui devait arriver et grâce à Dieu, la vision de notre président et du gouvernement vise dans cette direction. On a vu des projets pour des villes, à la Maine, on ne mentionne pas certainement la capitale administrative. Il y a tellement de villes, des villes, disons, intelligentes, encore une fois, mais en parallèle, on commence à moderniser même les villages. Vous avez mentionné l'initiative de la vie saine et décente qui, justement, présente aux citoyens égyptiens tout ce qu'il faut chez lui. Il développe ses communautés rurales et urbaines en même temps pour que le citoyen égyptien ne migre pas, ne laisse pas son village pour aller trouver un travail ailleurs, mais le travail vient chez lui. C'est pour ça que c'est une vision très intelligente et, comme je veux dire, qui vise vers une Égypte moderne qui peut se comparer avec tous les pays industrialisés et modernes dans tout. Mmh. Docteur Raouf Ghaffar, vous êtes expert en économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il s'agit toujours de notre édition quotidienne de Midi au Caire et nous allons passer à un autre aspect concernant la réunion avec le ministre de l'Agriculture et de la Bonification des Terres. Lors de cette réunion, Assaïd Al-Qassir, le Premier ministre, Dr Mustapha Madbouli, a affirmé que la mise en place du projet des fermes égyptiennes exemplaires conjointes dans le continent africain constitue un des projets les plus importants en matière de développement, susceptibles de réactiver les relations avec les pays du continent. Dr Madbouli a également passé en revue un rapport présenté par la ministre de la Culture, Dr Inès Abdeddaïm, sur les activités du ministère dans les villages et l'initiative présidentielle baptisée « Vie décente » dans les gouvernorats d'Assiout. Les détails. Le Premier ministre Mustapha Madbouli a confirmé l'attachement de l'Égypte à mettre en place des fermes égyptiennes typiques conjointes dans les États du continent africain comme un moyen de rapprochement et de renforcement des liens avec ses voisins, et ce, à la lumière des efforts de la direction politique pour réaliser l'intégration avec les frères africains. Dr Madbouli a tenu ses propos lors de sa réunion mardi avec le ministre de l'Agriculture, Al-Sayed Al-Qassir, pour passer en revue le projet des fermes égyptiennes typiques conjointes en Afrique et les futurs plans pour y étendre leur création. M. Al-Qassir a expliqué que la création de fermes conjointes avec les pays africains n'était pas un projet nouveau, mais que son idée remonte à 1995, lorsque le projet a été lancé à travers le Fonds égyptien pour la coopération technique avec l'Afrique au ministère des Affaires étrangères, jusqu'à la création de la première de ces fermes au Niger en 1998. Et sur un autre plan, le Premier ministre a souligné l'importance du rôle joué par le ministère de la Culture dans le cadre de l'initiative Vie décente en enracinant la prise de conscience, encourageant la lecture et l'apprentissage et en contribuant à construire l'esprit des générations futures, affirmant que la construction d'un être humain n'est pas moins importante que l'élévation d'une structure dont l'État est bien conscient et à laquelle il tient.
Docteur Madbouli a passé en revue un rapport avancé par la ministre de la Culture, Inès Abdeldaïm, sur les activités du ministère dans les villages de l'initiative présidentielle Vie décente, dont les gouvernorats d'Assyout, Charqiya, Béhira et Alexandrie, dans la période de 1er août jusqu'à 2 septembre 2021, dans le cadre du souci de l'État d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Madame Inès a expliqué que les activités culturelles étaient caractérisées par la diversité et s'adressaient à tous les âges et groupes sociaux, et qu'elle avait compris des ateliers artistiques, littéraires et intellectuels, des salons de livres en plus de représentations musicales et théâtrales qui discutent et abordent des problèmes sociaux. Le ministre des Affaires étrangères, Samir Chokri, s'est entretenu avec la nouvelle présidente de la fondation Princesse Rima et le directeur exécutif Joseph Ferré dans le cadre du soutien constant de l'Égypte à l'action de la fondation d'étendre les ponts de communication culturelle et civile à travers la Méditerranée. Au cours de la rencontre, M. Chokri a souligné que l'Égypte soutenait la nouvelle direction de la fondation Euroméditerranée Anne Lindt pour le dialogue entre les cultures. Il a reçu que l'Égypte lui apporte toutes les formes d'appui en vue de l'aider à jouer son rôle et faciliter les missions de cette institution que l'Égypte se dit honorée d'abriter à Alexandrie depuis sa création en 2004. Le chef de la diplomatie a également jeté la lumière sur la vision de l'Égypte du rôle de la Fondation dans le cadre du partenariat entre le nord et le sud de la Méditerranée qui repose sur une conviction commune des défis à relever exigeant une coopération en faveur des peuples et des sociétés de la région. La commission du suivi égypto-qatari a tenu une réunion à Doha sur la présidence de l'ambassadeur Yasser Othman, adjoint des ministres des Affaires étrangères et l'envoyé spécial du ministre qatari des Affaires étrangères pour les affaires régionales, l'ambassadeur Ali Ben Fahd Al-Hejri. Une commission juridique s'est également réunie. Au cours des réunions, un nombre de mémorandums d'entente a été signé pour renforcer la coopération. L'autorité postale nationale a signé un mémorandum d'entente et un protocole de coopération dans le domaine de coopération postale avec la compagnie qatariote des services de poste. Outre, l'autorité de l'aviation civile a également signé un mémorandum d'entente dans le domaine du transport maritime avec l'organisme de l'aviation civile au Qatar. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.